Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Le ballon pour Jonathan David. Pour Jonathan David, le tir. Un bon arrêt du gardien. Ousmane Dembélé. Yann Mbappé. Oh, attention à ce ballon. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Et le ballon est centré. C'était bien tenté, mais le gardien est bien placé. Ouais, perte de balle de Marquinhos. Smiley. Passé vers Jonathan David. Ben Taleb. Ouais, c'est propre, sans faute. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Oui, joli réflexe du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Et c'est dégagé. Le tir peut-être pour égaliser. Ah, c'est manqué, dommage, c'était une bonne situation. Avantage laissé à Paris après cette faute. Ouais, Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Le LOSC qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. Le sujet maintenant pour cette équipe, c'est d'arriver à soutenir cette intensité pour arriver à bousculer la défense adverse et égaliser. Et peut-être un bon contre à négocier là. Attention, voilà un bon duel. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le PSG qui va faire un changement. Allons vers la surface. Oui mais non, ça ne profite pas en fait. Danilo Pereira avec le ballon. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Les 20 dernières minutes de la rencontre.
Bentaleb. Bonne progression dans le camp adverse. Et ballon bloqué par Lucas Hernandez. Ah, le contre est possible. Et la défense peine à revenir. Attention, Kylian Mbappé. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Ah, et donc l'action s'arrête là. L'équipe part à l'abordage. Peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Incroyable égalisation dans les dernières minutes de ce match. Ils y ont toujours cru et ils y sont parvenus. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Et avec ce but, score de parité, un partout. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Le gardien qui tient la baraque et les empêche de prendre l'avantage dans les derniers instants. Et peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Bon, ballon en retrait. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. C'est lui qui maîtrise l'objet de nos rêves, rend simple ce qui est difficile et clair ce qui est obscur. La fin de ce match et c'est donc une défaite pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, et ce n'est jamais évident de perdre ce genre de match d'un petit but. Une défaite comme ça, c'est encore plus frustrant. Jonathan David, et qui a fait un très bon match, hein, le Canadien, vraiment très intéressant. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.